Comment donner un second souffle à un morceau déjà sorti? Rien de plus facile, le faire remixer. Une technique bien connue dans le milieu de l'industrie musicale pour relancer un single ou pour faire revivre un vieux morceau. Parfois, le remix est carrément supérieur à la version d'origine et permet à un morceau de devenir un hit planétaire. Comme pour le morceau You and Me de Disclosure remixé par Flume, le morceau Habits Stay High de Tove Lo remixé par Hippie Sabotage, ou encore l'album de mashup entre Jay-Z et Linkin Park. Qu'il soit fait par simple stratégie marketing ou par amour de la musique, le remix met avant tout le talent des beatmakers en lumière. Ces hommes et femmes de l'ombre, travaillant derrière les machines et cherchant, tels des scientifiques, la meilleure formule pour faire sonner un son. D'ailleurs, je vous invite à commenter la vidéo en disant merci les beatmakers, juste pour leur donner de la force, ça fait toujours plaisir. Sachez que le milieu de la musique chrétienne n'est pas en reste. Même si le public de ce style n'en est pas forcément friand, il y a des précurseurs qui jouent le jeu et se lancent dans l'aventure du remix. Je suis tombé dernièrement sur un remix mashup des morceaux Brûle en moi de Shekinah et Je suis dans la joie de Pasteur Guy, réalisé par Jérémy Ngodba, et j'ai juste pris une énorme claque. Il a réussi à faire un remix drill de morceaux worship old school. Dans la même veine, il existe aussi le remix drill du frangin Mokis Beats du morceau Louange Plus de Charles Mambaya. Et en restant dans la drill, le rappeur David Okit a vu ce morceau Parmi les anges être remixé par Mbaya Bomb. Et mon propre morceau, C'est pas le jour, a été remixé par Rachik Atli, et dans ce style, les deux morceaux prennent une nouvelle dimension. C'est pas le jour, non non, tu ne mourras pas arrière de moi, toi ni ton parent. C'est pas le jour où tu détourneras arrière de moi, Satan va voir là-bas. C'est pas le jour où tu mourras, nanana, aujourd'hui je ne tomberai pas là. N'hésitez pas à mettre en commentaire les remixes que vous avez découverts et que vous appréciez, je me ferai une joie d'aller les écouter. Dans une autre catégorie, il y a les remixes reprises de morceaux, c'est-à-dire un morceau interprété à la base par un artiste, mais qui est repris différemment par un autre artiste. Les paroles sont les mêmes, mais la musicalité est différente. Dernièrement, on a eu le droit au remix du morceau Saint-Esprit de Denamoana par le groupe Escalier. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Ou encore le rappeur Esdras, qui a repris le morceau Tango Naye du pasteur Moïse Mbi en version trap. Il existe également des ententes entre artistes qui permettent de faire des morceaux dans plusieurs versions. C'est le cas du morceau Alléluia, écrit par Sébastien Korn et Sandra Kwame. Initialement, il a été chanté par Sandra Kwame et Danamoana. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis. Mais il a été repris par le collectif La Chapelle Musique, dont fait partie Sébastien Korn, pour une version complètement différente, interprétée par le talentueux Étienne Charles. Mes yeux sont noyés de larmes, et que sous leur poids je fléchis. Il y a quelques temps, j'ai lancé un défi à des beatmakers de remixer mon morceau Evenu Shalom Alerem, et j'ai eu le retour de trois d'entre eux, à savoir Boss Beat, King Soldier et Dizzy Track Music. Un gros merci à eux d'avoir pris le temps de travailler sur des nouvelles propositions artistiques, sachant que le morceau de base n'était pas évident. Dizzy Track Music a bossé sur une proposition dans une vibe house électro, c'est vraiment réussi, le morceau prend une autre tournure et j'ai apprécié le travail d'orfèvre et le découpage de la cappella. Fruit de l'esprit, esprit de Dieu, Dieu tout puissant, puissant dans mon cœur, cœur de lion, lion de Judas, Judas nous sommes pécheurs, on aime trop parler, parler, parler pour rien, et crois-moi c'est pas pour rien qu'existe la grâce, rapide pour juger, pour dénigrer, le poison c'est la langue, tu connais la base. Pour King Soldier, il a sorti sa spécialité, l'afro drill, pour donner au morceau un accent ensoleillé, et Boss Beat l'a rejoint sur une proposition du même genre avec une bonne grosse basse. Fruit de l'esprit, esprit de Dieu, Dieu tout puissant, puissant dans mon cœur, cœur de lion, lion de Judas,
Judas, nous sommes pécheurs. On aime trop parler. Quand l'assassin va venir, 10% seront pour la dîme. Les jaloux, je les vois venir. Ils diront, je fais ça pour la frime. Frimer, c'est manquer de confiance. Confiance n'a pas besoin de filtre. Je vous mets les Instagrams de ces trois beatmakers dans la description de ma vidéo. Allez leur donner de la force. Si vous souhaitez écouter ces remixes, ils sont disponibles sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Music, Deezer, etc., etc. S'il y a des beatmakers intéressés pour faire des remixes de mes morceaux, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous envoyer tout ça. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des remixes, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle. Et comme d'habitude, pour soutenir le travail de la chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker. Je vous dis à bientôt, ciao.